Thierry Kovacs, le Conseil de l'agglomération se réunit mardi prochain. Ça sera le vrai premier budget de cette nouvelle agglomération Vienne-Condrieu. Quelles sont un petit peu les grandes lignes ? Alors, la première grande ligne, c'est la stabilité des taux, hein, puisque c'est un engagement que nous avons pris dans le projet d'agglomération de Vienne-Condrieu Agglomération, celui de porter un projet ambitieux pour notre territoire, tout en se refusant à augmenter la fiscalité. Donc, bonne nouvelle pour nos concitoyens, aussi pour les entreprises. C'est une stabilité. Et puis, avec aussi à l'esprit que c'est les taux que nous pratiquons, aussi bien en termes de taxes d'habitation que de contributions foncières des entreprises. Je ne parle pas de la taxe foncière sur propriété bâtie parce qu'il n'y en a pas sur notre territoire. Sont parmi les plus bas quand on se compare aux intercommunalités voisines comparables. Et puis alors, quels sont les champs un petit peu qui sont priorisés cette année par rapport à d'autres ? Beaucoup de choses, mais l'idée première, c'est d'investir le champ qui va nous rapporter des recettes justement, puisque nous refusons d'augmenter les taux. C'est le développement économique, par exemple, puisque plus nous attirons d'entreprises sur nos territoires, plus ça contribue à l'emploi et plus ça contribue à avoir des recettes pour nos territoires, pour payer le développement des transports. C'est un choix, hein, une politique forte d'un territoire, de développer l'offre de transport, parce qu'on sait que ça coûte et que ce n'est pas l'usager avec son ticket qui peut payer, bien évidemment, le coût de ce transport. Donc, priorité au développement économique avec des zones, la zone de Trèves par exemple. Priorité également au développement touristique qui amène des richesses sur notre territoire, de l'activité, de l'emploi et puis tout un tas de services à la population en matière de petite enfance, en matière par exemple d'équipements tels que la natation, la piscine avec l'agrandissement, la construction d'un nouveau bassin Saint-Romain pour pouvoir apprendre à nager à nos enfants, de l'assainissement, de la voirie, des aménagements de sécurité, des modes doux, tout ce qui constitue les compétences de notre agglomération. Alors en termes d'entreprise, deux entreprises vont rejoindre ou ont déjà rejoint cette agglomération. Je pense à FIV et puis de l'autre côté Calor qui va déménager ses activités. Alors l'entreprise FIV, c'est une entreprise qui est sur la commune de Grigny. Elle va s'installer sur la zone des Platières, une entreprise qui compte 160 salariés aujourd'hui, hein, dont 140 ingénieurs. Elle va passer à 200 une fois qu'elle sera installée. Ça va nécessiter encore quelques mois, voire plus d'une année, hein, pour à la fois construire son nouveau site. Et puis Calor, qui va rapatrier ses activités de Saint-Jean-de-Bournay sur Pont-Évêque. Donc oui, c'est demain de nouvelles richesses créées pour notre territoire, mais dont nous aurons les résultats, les bénéfices dans 2 ans. En résumé, vous êtes un président heureux ? J'ai un président, oui, qui est heureux d'abord de travailler avec une équipe qui pousse dans le même sens pour développer ce territoire au service de ses habitants. Puis quand on voit des résultats qui accompagnent les efforts consentis, c'est toujours satisfaisant. En termes d'exercice de mandat, c'est ma dernière question. Maire de Vienne, président de l'agglomération, conseiller régional, ça fait un peu beaucoup, non ? Ça, c'est ce que disent mes détracteurs. Mais en même temps, ils me disent que dans chacun de mes domaines, j'en fais beaucoup. Ça veut dire que je ne suis pas absent.